Ariane Space, au départ, c'est un accord entre l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale russe. La société Ariane Space a été créée pour faire du transfert de technologie du spatial vers le civil, en fait. La société s'est attachée, en fait, à développer des produits utilisés dans les hôpitaux, tout simplement, et c'est ce qui a conduit son succès. Les objectifs du traitement d'air de l'ISS, en fait, sont à plusieurs niveaux. Destruction microbiologique, faible consommation énergétique, peu de consommables. Le point commun entre les stations spatiales et Ariane Space, simplement qu'on a adapté une technologie qui permet le traitement d'air en remplissant l'ensemble des objectifs. Et on a fait la même chose dans le civil. Dans le médical, on est spécialisé dans les services les plus à risque. Simplement parce qu'on protège des gens qui sont immunodéprimés sévères et qui sont susceptibles, en fait, à l'infection du fait de contaminants autour d'eux. On n'a pas le choix dans la façon de définir les produits. Il faut que ce soit les meilleurs produits du marché. On est obligé de fabriquer des appareils extrêmement puissants, très efficaces. Donc c'est la qualité des fils que l'on met à l'intérieur. C'est les fils les plus efficaces du marché. Et le bruit, puisque les patients ont à vivre avec la machine 24 heures sur 24. Au-delà de la précision, de la qualité des machines que l'on installe, le plus important, en fait, c'est de définir les endroits où positionner les machines, mesurer les résultats et surtout garantir un résultat au client. C'est le plus important. Ariane Space a travaillé avec Dassault Systèmes sur le système Simulia. Après les études qui ont été faites à l'Assistance publique d'hôpitaux de Paris, donc, qui ont révélé, si vous voulez, que le système de traitement d'air qui était embarqué dans les bâtiments n'était pas forcément adapté à la situation Covid, où on a montré que l'adjonction de nos machines en plus des systèmes de traitement d'air existants améliorait significativement la performance. On a souhaité travailler avec les équipes de Dassault Systèmes sur ce système Simulia pour la simulation des performances de tous nos nouveaux produits. Simulia a travaillé avec les équipes Ariane Space sur des simulations de deux types. D'abord, la simulation des flux aérauliques dans la machine et une partie de performance chez le client. Donc on a simulé toutes sortes de choses, des réunions en présence de patients contaminés, des cabinets dentaires équipés avec la simulation du patient expectorant des aérosols. Voilà, on a une chambre de réanimation. Qu'est-ce que ça donne, notre technologie, dans une chambre de réanimation au-delà du système de traitement d'air préexistant. Voilà, on a travaillé sur ces choses-là. Donc, le design des machines et la simulation d'efficacité de ces machines en situation client. Donc, on a pu montrer de l'infiniment petit dans l'environnement. Donc, parce que c'est simulé par des gouttelettes qu'on voit en couleur, donc on voit la façon dont elles se répartissent dans la pièce, on voit la façon dont les appareils les traitent, etc. Donc c'est la capacité qu'on a de faire visualiser au client la manière dont ça se passe. La protection qu'on induit par nos machines, c'est très très important. Simulia nous a permis d'aller beaucoup beaucoup plus vite sur le marché. On a contracté, en fait, notre phase de R&D d'au moins 3-4 mois, quoi, ce qui est essentiel pour ce qu'on fait. Donc c'est essentiel par rapport à notre développement aujourd'hui. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse travailler sans maintenant. Aujourd'hui, on est dans 48 pays, on objectif 80 pays. Simulia Ariane Space, c'est dans notre chemin R&D, c'est intégré. On a beaucoup travaillé avec eux. C'est essentiel aujourd'hui pour nous dans notre développement.